Messieurs, dames, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. On est donc reparti pour cette petite aventure. On est paré à aller explorer cette île. Dans le dernier épisode, on était tombé sur une petite pancarte là-bas où on a vu qu'il y avait potentiellement des ours sur cette île. Nous avons le petit écriteau ici. J'attends que Démon termine de se préparer. Moi, je suis paré là. Quelques flèches, on a une lance, ouais, une hache de réserve. Ah, le grappin, peut-être pas nécessaire. Bon, je vais remettre ça à la plage, j'attends qu'il termine ses affaires et puis on est parti. Les démons, t'es prêt? Oh oui. Oui. Allez alors, on va voir ce qu'on va trouver là. Tu veux passer devant? Non, vas-y, je vois que t'as envie. Ah, il y a un autre écriteau là-bas. De toute façon, crois-moi, les ours, c'est une légende urbaine. C'est joli avec le bateau en contrebas là. Regarde bien, hein, ce sera peut-être ta dernière vision. Il y a une autre pancarte ici. Voilà. Après cette pancarte, il y a des ours. Donc. C'est une légende urbaine, j'ai dit. Non, 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 regarde là-bas. Tu vois ce que je vois? Il a empaillé, c'est un faux. Un faux? Regarde, on va lui mettre une flèche, il va pas bouger. Ouais, d'accord. Il a l'air fameux, hein. Ouh! Moi, il est peut-être pas empaillé, en effet. Quoi, il t'a pas attaqué? Ah ouais, t'avais déjà foutu le camp, toi. Bah écoute, t'as vu la taille de l'ours? Champion du Fujitsu. C'est quoi ce truc ici? Faut mettre des bêtes sauvages, apparemment. Nécessite des baies sauvages. Mais quoi? On essaie pas de le tuer celui-là? C'est vrai qu'il y a une grotte derrière lui. Les Bon, abris. on va peut-être explorer, hein. Je te suis, je te suis. Vas-y. Les arbres, on peut les couper. Moi, je vais aller essayer. C'est Ah, c'est mien. dommage. Ouais. C'est bien Ben, dommage. c'est vrai qu'avec des morphales comme nous, on passe l'île. Je te raconte pas, il n'y a plus un arbre, sinon. Ça, c'est clair que ici on couperait tout. Ouais. Il n'y en a vraiment pas un seul qu'on peut couper. Bizarre. Alors là, c'est quoi ça? Attention ton micro. Ah ouais, des abeilles. C'est des abeilles ça? Ouh, il y a un autre. Il y a un ours là-bas. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Et celui-là, il n'a pas l'air de dormir. Deux, un ou deux que. Attends. Attends. Il y en a un là-bas, il est parti un peu plus loin. Oui, il revient. C'est pas l'ours que je veux chasser, c'est l'abeille. Au pire, je saute à l'eau. Hein. Je préfère encore le requin à un ours. Tu parlais de légende. Moi, j'ai entendu une légende concernant un ours bleu. Je ne suis pas sûr. Je préférais peut-être me faire mordre par le requin. C'est moi qui t'ai raconté cette légende de l'ours. Là-bas. Il y a une ruche là, c'est une ruche que je vois là, non? Attends, est-ce qu'il y a. Ça, on peut attraper ça. Bon, attends, parce que j'oublie. Non! Je l'ai entendu! Oh! Méchant nounours! Non! Il va vite, son frère. Ce saligaud. Bah aide-moi aussi, toi. Non.
Oh, c'est compliqué. Arrête de bouger autant. Mais c'est ça, ouais. Et il va trop vite. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ça? Ok, du cuir, de la viande. Ok, beaucoup de. Ah oh, zut, c'est toi qui les as pris. Non, j'ai pas le temps. 4 cuirs et 2 viandes, c'est tout. On n'a même pas droit à une petite tête. On peut prendre ça. Oh, bien. Ramasser la ruche, pas le miel. Peux pas attraper les abeilles. Oh si, c'est bon. C'est bon, j'en ai eu. J'en ai eu 5. Et j'ai eu 3 de miel. J'ai 3 miel aussi. Il y en a encore là des abeilles. Et ici encore du miel. Ok, super. Bon. Regarder dans les airs, c'est très bien, mais s'il y a encore un ours dans les parages, on n'est pas bien. On peut vraiment rien couper ici. C'est dommage. Petite abeille, descend un peu. Ah si, ici on peut. Ah, j'ai pas eu de graines. Ah, c'est dommage. Lesquels? Où? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui m'attaque? C'est les abeilles qui m'attaquent en fait. Ouais, je peux couper. C'est des bouleaux. Il y en avait deux là, je pouvais couper. Donc regarde bien, c'est comme les autres, mais pas. Bon, les arbres blancs là. Ouais. Le boulot. Ah, les boulons. Bah, ici, je sais pas le couper, mais les autres, je pouvais. Il y en a deux là que je pouvais couper. Celui-là, si tu sais couper, ça voudrait dire que c'est les feuilles orangées que tu peux. Non, on peut pas. Oh là là, mais ça va prendre des heures à faire cette île. On peut pas. Mais tant mieux, ça va nous changer que des îles vont faire 10 minutes. C'est vrai. Le petit vert là, je pense que tu peux le faire. Le petit verre. Ici là, il est un peu plus petit. Hein. Vas-y, fais-le. Ouais, je peux. Ah, j'ai une graine. Magnifique. Ça c'est bien ça. Celui-là, je peux pas. Alors ici, ça doit être des baies sauvages. Comme on a... Ouais, c'est ça. On avait besoin de ça. Je vais laisser ramasser. Là-bas, il y en a encore une. Ici aussi. Laza. Ouais. Ça nous en fait combien là? 3, 4, peut-être 5. Ah, mais elles se mettent pas dans mon inventaire. Ah, c'est ça, c'est les baies pour l'ours. Oui. Ah non, il y a le récipient là près de l'ours. Sûrement pour l'attirer et qu'on puisse rentrer dans la grotte derrière ou quelque chose comme ça. Là, c'est bien possible. Et Mais c'est pour ça. bon, vu la taille, on pourrait essayer de le tuer quand même. Oui, mais si tu as bien remarqué, quand on est reculé, il est retourné à sa place celui-là. Ouais. Donc, on sait peut-être pas le tuer, que la seule manière, ce serait de le. Une clôture en bas. Regarde, ça continue encore très loin l'île, là. Ouais. C'est sympa, mais bon. On va se perdre. Ouais, on va surtout se perdre, ouais, ça c'est clair. En fait, pour te retrouver, ce sera simple. Tu sautes à l'eau et tu fais le tour de l'île. Oui, c'est ça. On va sur le radeau. Mais là, il va faire nuit. Et malheureusement, ben... S'il y a des ours dans la forêt là, si on voit rien. Ça va être sympa, ça. Où je suis tombé? J'ai cru voir le nom d'Azaka chuter. En effet. J'y arrive. Tu dis? Non, mais non. J'ai mis la lumière. Faire pareil. Au revoir.
Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas trop là. En plus, t'as vu la vitesse à laquelle il court. Passe-toi le nez, c'est rien. Panneau. Ouais. Ouais. Et ils en ont mis partout, ouais, des ours. Ils auraient pu se contenter d'un petit coin. Bon, ici aussi, on dirait qu'il y a comme une entrée. Tu veux dire que ouais, le truc qui Il y a a des plein de pattes. pierres ici. Encore une brouette. Donc il y a moyen d'accoster par ici aussi. Ouais. Toi, du métal là dans l'eau. Je regarde, hein, on sait jamais que il y a quelque chose d'intéressant ici. On va continuer à explorer ça. Je vais boire un coup. Tu as vu du métal dans l'eau, c'est ça? Ouais, métal. Ferraille. Ah, de la ferraille, attends, alors. On va chercher un peu. Il m'en manquait deux pour faire un truc. Heureusement que j'ai fait des réserves là. Réserve quoi? D'eau. Ah, ça je peux couper aussi, ça c'est bien ça. Couper celui-là. Je pense que c'est juste les tout petits qu'on peut couper. C'est dommage. Mais c'est bien, ça va nous changer. J'ai pris la pelle aussi au cas où. Mais là j'ai fait 4-5 arbres, j'en ai que deux, hein, des graines. Voilà. J'ai fabriqué la deuxième caisse. Ah bien. Ouais, il nous manquait deux ferrailles pour la deuxième. Bon ici c'est... Il n'y a rien par là. Ah ça va prendre un temps fou. Où es-tu parti? Hein. Quand tu remontes tu vas sur la droite mais il n'y a rien là-bas plus loin. Voilà je te vois là-bas. Il n'y a rien par là. Donc on va remonter un peu plus haut. Hein. C'est tellement grand, si on n'est pas méthodique, on va sûrement oublier des zones. Hein. Ouais, bah oui. Comme ces arbres-là, si on pouvait les couper. Oh là là, ça y est. J'ai vu au niveau des commentaires que vous proposiez que l'on fasse un vrai bateau. Bon, j'en ai parlé un petit peu avec des mots, il n'a pas l'air très emballé, mais c'est juste qu'on va devoir farmer énormément et puis pour réparer tout ça, après ça va être une misère. Mais on peut essayer de faire quelque chose de correct. Oui, non, c'est pas que je suis pas emballé, c'est qu'il va falloir faire tellement de moteurs pour faire avancer la bestiole. Ah, il y a ça aussi, et ça va consommer un max pour avancer, ouais. On risque de ne pas récolter suffisamment que pour le faire tourner en fait. Ouais. Ça continue encore, l'île. Bah, il faut remonter un peu plus haut là. Tomber sur des pics. Des pics. Il y a liquide jaune, ce serait radioactif. Ah. Ah, t'étais pas derrière moi. Non. Ah oui, t'es là. Ouh, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah oui. J'avoue qu'avec les bidons, le truc fluo, ouais, ça donne pas très envie, hein. Et en fait, regarde, il y a un jeu de plateforme. Il faut jouer à Mario Bros. Super, magnifique, génial. Ça pique? J'ai vu tomber dedans. Ah, mais elles disparaissent après. Non, elles s'enfoncent et puis elles reviennent. Ok, d'accord. Alors? Et de l'autre côté.
Ouais, ça va encore. Bon, enfin, t'as pas envie de faire 50 points quand même. C'est clair. Mais pas vraiment, non. Par contre, regarde ça. Quoi? Là, lève la tête. Ah. Oui. Tu crois que c'est la maison close? En parlant de ça, attention parce qu'on n'en a pas encore croisé un autre. Mais... Et là-bas à droite, il y a une maison. Alors, Et Ranger Station. bah écoute, on va faire la petite cabane à droite déjà. Alors, tu as bêté ici, ta maison est partie. Elle a disparu. Nécessite une ampoule. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici dedans? Les outils. Nécessite une scie de Bruno. Bon, ok. Là, ici. Oui, il manque plein de trucs ici. Non, mais non, ici. Là, sur la table. Raffineur de biocarburant. Ah. Ah, bien ça. On va pas être obligé de mettre du bois pour alimenter le moteur. C'est très bien. Il n'y a rien d'autre ici. Ah, une note. Une note. T'as une nouvelle note dans tes affaires. Parce que j'ai essayé de monter là au-dessus. Il y avait quelque chose qu'on pouvait ramasser d'en bas, mais je regardais si quelquefois que... Non. Non, il n'y a rien. Je ne vois rien. Donc il y avait une note ici. Ok. Ouais, j'ai ramassé, elle est dans le caisse. Ici, il va nous falloir trois outils. Alors, c'est quoi T pour lire la note? Ah oui. La dernière note. Programme. Ok. Bon. Attends, je vais faire le tour. Donc là, on a besoin de quatre objets pour ici. L'ampoule, la scie. Ouais. Et les deux autres là. Ah, ici encore des baies sauvages. Je me demande si j'en ai pas déjà cinq. Allez, ce talent. Juste. Bonne C'est idée. bon. Oh, mais il y en a encore plein ici. Ouais. Voilà, bah là c'est sûr, j'en ai au moins 5, hein, ça c'est certain. Bah écoute, on va aller voir la station relais. Regarde quand même un peu au bord de l'eau. C'est Ok. rien. On va voir là en haut. On aura sûrement un beau panorama sur toute l'île. Ça c'est bien. Ah, j'aime vraiment bien. Une île comme ça manquait. Alors, station radio. Va voir, c'est ce que se sont dit les ours quand ils vont nous choper. Okay. Qu'est-ce qu'on a ici dedans? Quelque chose qu'on peut allumer. Y a pas un petit levier quelque part? Y a une note. On T'as fonde trouvé une l'armoire. note? Ok. Quelle dit cette note? Voilà. Je t'ai laissé le canot de sauvetage. Je suis désolé, Bruno. Ils sont dehors et livrés eux-mêmes. Ok. Elle a trouvé la clé molette près de la clairière. Est-ce que tu l'as laissée ici? Est-ce que tu trouves ça drôle? Ok. S'il y a une clairière, on devrait trouver une clé molette. Ah! Oh! Démon! Station relais 1 sur 3 activée. Fallait activer ici, ça a activé. Du coup, ça a allumé. Station 1 sur 3. Ouais. Ouais. En face, là. Ouais, je vois, mais je voulais voir. Et J'aurais donc, espéré qu'on puisse voir toute l'île d'ici. on voit chaque fois les grandes tours. Il y en a une là et il y en a une par là.
Attends, parce qu'on s'est monté ici, en haut. Ah, ça y est, il y a le... Ok, ça tourne ici. Non, c'est tombé. Oh, j'ai trouvé une caisse. Sans le vouloir, mais je l'ai trouvé quand même. Ragoût de poisson simple, on a déjà ça, non? Oui. La recette. Mais bon. Oui, oui, on a. Ok. Je crois que ça fait 15 fois que je te le demande, hein, si on l'a trouvé celui-là, mais... Ok. Eh bien, écoute, on va aller voir un peu plus loin. Ça va, mais... Où est... Ah. Tombé, peut-être. J'aurais pu te faire tout l'alphabet, comme ça. Ouais. Et je, ouais, ça va, mais je me suis pas fait mal. J'ai le pied robuste. Alors, celle de droite ou celle de gauche? Je sais pas, mais je vois un ours là-bas en bas. On peut le flécher d'ici? Ça m'étonnerait. Oui, moi aussi. Par contre, si on le tombe dessus avec la lance, avec la distance, on a pris une bonne charge, on devrait faire plus de dégâts. En effet. Mais ça serait pas ça la clairière dont elle parle? Non, ça m'étonnerait. Bon, je suis descendu un peu. Ouais, je le vois, il est juste là. Alors? Juste en dessous de moi. Non, non, pas glisser, pas glisser, pas glisser. Non mais... Ah, je le touche pas en fait, je suis trop haut. Mais c'est d'ici, hein. Voilà. Ah. Ok, deux. Ça va, il sait pas m'attraper de là. Trois. On va voir combien on doit lui mettre de flèches. Quatre. Ok. Cinq. Allez, mon petit. Ah, c'est beaucoup plus drôle comme ça, hein. Six. Sept. Et ok. Ça, on sait plus ou moins, ouais. Je vois pas les autres flèches. Dommage. Je vais dépecer. Hein. J'en ai récupéré que deux. Trois. Ok, ça va. Ici, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Je vais colter le miel pour l'instant. Ok. C'est vraiment grand. Hein. Génial. Oh! L'abeille. Alors? Ah, là, j'en ai eu. J'en ai eu 4. Ce qui m'en fait 9. Je ne sais pas à quoi va nous servir le miel, d'ailleurs. Faudra l'étudier. Ouais, ouais. On a besoin pour débloquer 2 constructions. La ruche et... un ours. Démon ! Démon ! Non! C'est vrai qu'il court bien, mon ours. Ouh, et il saute! T'es où, toi? Au poste de. Où on était tantôt pour tirer nos flèches, et on est bien là! Oui, on est bien! Jouer avec lui! Voilà. On a 2 ou 3 flèches à récupérer sur lui. Oui, mais j'essaie de les avoir, mais elles disparaissent dans le sol en fait, il y a un balancement. Voilà, j'en ai 1, 2. Oui, mais il faut avouer, ils sont pas super durs à tuer, sincèrement, mais
Par contre, c'est surprenant, hein. Quand il te court après et qu'il est vraiment derrière toi, il te lâche pas. Ouais. C'est vraiment sympa. Par contre, ce qui est moins sympa, c'est que ma lance est presque morte. Ah, mais non, j'en ai refait une autre. J'en ai refait une autre. Ou je l'ai trouvée? Je ne sais plus. Et j'ai eu une tête d'ours. Ah, bien. Et j'ai une recette, c'est poulet à la noix de coco. Je sais pas si on avait déjà trouvé ça. On l'a pas. Ok, je garde. Alors, relais station 2, on a été, Ranger station, on a été, relais station 6 et relais station 4. Regardez ça. Oui. Ça me ferait de la place dans l'inventaire. Excuse-moi, tu disais? J'ai les panneaux pour aller les relais stations 4 et 6. Ok, attends, est-ce que je viens de faire joujou? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? J'ai pas fait de bêtises. J'ai mis la tête d'ours. Ah Ok, 4 et 6. c'est-à-dire que t'as le matin quand tu te lèves, t'es un peu grognon, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que pour les arbres et tout ça, on fera ça un peu. T'entends la sonnette? Oh, je viens de voir un truc intéressant. Il y a une Là, sonnette. regarde en haut. Qu'est-ce qu'il y a là en haut? Un pont-levis ou une grue? C'est quoi à ton avis? Oui, mais moi, ce qui m'intrigue, c'est la sonnette. T'entends la sonnette ici? Ouais. Ben, c'est un ours qui fait du vélo. C'est ça, ouais. Ah ça, non c'est juste un vélo. Il y a un vélo. Ouais, mais il y a un ours, j'avais raison. Allez! Ouh, j'ai pris cher. Ouh là, j'ai pris cher. Vas-y, démon, je te regarde. Allez, démon. Tu prends le coup quand il se dresse, là tu vas prendre cher. Alors, succès déverrouillé. Moi je veux bien, mais la sonnette quoi. Ah, c'est pareil, je l'ai juste prise sur moi et. Et une Ouais, casquette aussi. comme sur le bateau, ce sont des objets de conquête. Ok. Hein. Donc ils font ça à mon avis que même si tu as encombré, tu sais la prendre. Ouais. Donc. Tu ne sais pas la perdre surtout. Oui. Attends, du coup. Là, je suis perdu là. Ah, C'est-à-dire. c'est. T'es où? Ah, une station, un pont. T'es passé où? Moi, je suis revenu au panneau là. Pas loin des panneaux. Ah oui, là-bas. Revenant à l'arrière. Oui, ok. Oui. Si. Alors, pour aller là. Il y aura sûrement quelque chose à débloquer là-bas pour faire tomber le pont. Allez. Attention, ton micro qui fait vraiment beaucoup de bruit. Ah, il y a une rivière ici en fait. Sympa ça. Oui, mais en fait, c'est par là où qu'il faut aller, apparemment. Ouais. Bah écoute, on va continuer. Hein. Ça va de nouveau être la nuit. Chouette. Je ne vais peut-être pas employer ce terme chouette, mais bon. C'est joli en tout cas. C'est quoi ça? Ce que je vais devoir faire, c'est économiser pour l'instant du moins. Oh, j'aime pas ça. T'es où? J'ai continué un petit peu. T'as pas suivi. Oui, mais dis-moi par où tu veux. Ton micro fait beaucoup de bruit. Ah, je te vois, t'es là-bas. Je vais mettre le casque. Là, en face. Parce que là, je vais vraiment être obligé, malheureusement, de mettre le casque, sinon on voit rien du tout.
Ouais, il faut. Parce qu'il est à moitié usé. Qu'est-ce que t'as vu ici en face? Une armoire. Ah, là-bas. Alors, beer slash. Un petit abri. Il y a un ours. Hein. Je dis ça comme ça, mais j'ai entendu. Assis. Il y a un ours. Démon, 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 démon. Oh, dans sa cachette. Oh, le vilain, regardez-le. Tu peux voir, ça va faire comme moi avec le petit rat sur le bateau. Là. Je pensais qu'il pourrait pas me toucher à travers la vitre, mais. Où est-ce qu'il est? C'est pas, il tourne, mais il s'excite. Hey! Il est ici en dessous. Le mettre au-dessus. Il veut pas venir. Si, c'est bon. Il a l'air un peu bugué. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit des flèches. On dirait mon chien quand il est excité. Il court dans tous les sens, mais lui-même ne sait pas où il va. Ok, tout juste. J'essaie d'avoir les flèches, mais elles disparaissent. Tu les as eues? Ok. Je te laisse le dépecer. Ok, donc tu as trouvé la scie. Ça, c'est très bien. Maintenant, il faut trouver le moyen d'arriver là-bas tout en haut. Il y avait l'air d'avoir un chemin ici. Bon, DB. Ici, il y a une grotte. Grotte de l'ours. Il y a de la terre. Il y a de la terre. Bonne nouvelle. Écoute, je vais ramasser ça. Tout ça résonne. Il y a des champignons. Champignons, de la terre encore. Je sais pas si t'as beaucoup de place. T'as encore de la place sur toi. Je te laisserai prendre les champignons, je vais prendre la terre. Ça marche. Sympa le bruit. Ouais, ça résonne. Ça résonne bien, ouais. Ouais, il y avait quand même quelques morceaux de terre. 5 pour l'instant. Ok. C'était ça. Sa tanière. Revenir en arrière, il y avait un chemin qui montait. Ok. Voilà, ici. Allez, alors. On va aller voir ça, hein. C'est sympa parce que franchement, j'ai l'impression d'être dans un autre jeu là. Station 4, station 6. Station 4. Allez. Peut-être que la scie pour. Ah non, la scie, c'était la scie de Bruno, c'est ça que t'as trouvé, hein. C'est dans l'armoire, ça. Et ça, c'était pour l'établi, là où il manquait quelques outils. Là, c'était ok, des pierres. Tu penses qu'on devrait tirer une flèche? Là-dedans, c'est. Ah! Ouh, c'était pas loin, ça. Sur le coin de la figure, dirons. Mais ça semble un peu évident là, de devoir tirer dessus. Oui, bah oui. Surtout que la nuit ça brille. La journée, je sais pas. J'aurais peut-être pensé moins vite, mais.
Un plan pour les tuyaux. Voilà, j'ai activé. Une note. Ouais. Un marteau. Un marteau, génial. Là-bas au-dessus. Tu vas prendre le petit chat? Ici au-dessus. Là. Qu'est-ce que t'as trouvé là-bas en haut? Y'a rien, tu m'as dit au-dessus, j'ai hâte de monter, mais y'a rien. J'ai plus de lumière, t'as pas une deuxième par hasard? T'as pas de quoi en refaire un autre? Non. Là, on voit pas grand chose. Ah, y'avait une note ici. Alors, on va peut-être regarder ça. Ah, voilà. Objet trouvé. Tiens, on a la liste des objets trouvés d'ailleurs dans le. Ouais, dans les notes. Je vais pas perdre le plan. Alors, il y a une tête de mort là, je sais pas pourquoi. C'était pas les produits radioactifs peut-être? Je ne sais pas. Ce que je me demande, moi, c'est par quel côté on est arrivé. Alors, ici au-dessus, non. Je pense qu'on est peut-être arrivé ici. Ah oui, on est arrivé par la gauche, le milieu gauche de l'île. Et la tête de mort, ça, à mon avis, c'est l'ours qu'on a vu là qui gardait je sais pas quoi. Je pense que c'est ça. Trop sympa, le jour qui se lève. C'est vraiment joli. Je vais pas te le dire, mais c'est vrai que c'est vraiment joli. Y'a pas de cabane ici? Non, on dirait pas. Donc, faut passer le pont normalement. Ouais. Pour aller maintenant station 6. Ok. Let's go. Alors, station 6. Je vais juste vérifier. Ah oui, on en est presque à 40 minutes là. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que du coup, ici, je vous laisse absolument toute l'exploration parce que ben, on a tellement de choses à faire et à fouiller. C'est un endroit plus ou moins tranquille pour... Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, oui. Hop, ça traversait. On a quand même déjà bien avancé. On s'est pas relevé le pont, dommage. Ah. C'est vrai que ça aurait été pas mal ça pour se protéger. Voilà. Ah non, mais on a déjà bien avancé, donc on a activé deux stations relais. Apparemment, il en fallait trois, si j'ai bien retenu. Mais il y en a quatre, mais apparemment, il en fallait que trois d'activer. Peut-être qu'avec les trois activés, on va capter un autre signal pour un autre endroit, je ne sais pas. Je ne pense pas, parce qu'il me semble qu'il n'y a que le chapitre 2 qui est sorti, mais on verra bien. On verra bien. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, nous, jusque-là, on s'amuse vraiment bien. Enfin, moi, j'adore découvrir, là. C'est vraiment très, très chouette. Oui, oui, tout à fait. Ça nous change, comme disait Démon, de toutes nos petites îles, là, qu'on connaissait déjà d'avant. Ici, là, maintenant... Ah oui, c'est gay. C'est très, très gay. Pour l'instant, j'ai l'impression de jouer à Island. The Island. Ouais. Celui où on est sur une île que tu dois... comment t'es arrivé là et tout ça. Ouais, tout à fait. Avec des... Je dirais bien des morvillons, mais je sais pas si c'est des morvillons. Ou de Forest, là. De Forest, voilà. De Forest, oui, avec les cannibales et tout ça, là. Oui, oui, oui. C'est vrai que ça, là, il y a un petit air de Forest. C'est vraiment sympa. Le décor est superbe. Non, vraiment super. Vraiment super. Bon voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et bah, je vous retrouve demain pour la suite. À la prochaine, ciao ciao.